my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes colos de novembre. Je vais commencer par le colo qui nous a été proposé comme chaque début de mois sur le groupe. Il y en avait plusieurs. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je vais l'enlever de la pochette. Youp, si j'y arrive. Voilà. Donc, j'ai choisi et imprimé celui-ci. Le crâne. Il est vraiment trop beau. Je suis fière de moi pour une fois. Je dis pour une fois parce que je suis jamais satisfaite des résultats que j'obtiens quand je fais quelque chose. Mais là, je suis vraiment, vraiment contente de moi. Donc, ce coloriage, je l'ai fait essentiellement avec les crayons Marco raffinés que j'ai achetés sur AliExpress il y a déjà un certain temps. Je n'ai rien utilisé d'autre, hein. Pas de vaseline, rien du tout. Ils sont super gras et ça rend super bien. Je vais vous l'approcher. Un petit peu. Voilà. Franchement, celui-ci, j'en suis vraiment fière. Ensuite, mon coloriage terminé le 5 novembre, je l'ai pris dans ce livre-ci. Le cercle magique, les grands classiques de Disney, les coloriages mystères, des éditions Hachette Rose, que j'avais acheté mais il y a déjà aussi un certain temps. Et j'ai fait le coloriage de la page 96. J'ai mis mon petit signet comme d'habitude, page 96, hop, le voici. Donc nous avons ici le chat d'Alice, le chat Chester de Alice au Pays des Merveilles. Alors, je l'ai réalisé avec mes habituels Stabilo 88 et 68 pour le noir. Et tout le reste, je les ai fait avec les Dual Tips Markers que j'ai achetés sur AliExpress. Alors, j'aime beaucoup les coloriages mystères, mais je vous avoue que tout ce qui est cercle et petit carré, genre pixel art, c'est ce que j'aime le moins. Donc, je n'ai qu'un livre dans la collection des cercles magiques et je pense que je n'en achèterai plus parce que franchement, autant j'aime les autres colos mystères et les trompe-l'œil, les mystères trompe-l'œil, autant... ceux-là me plaisent beaucoup moins. Je les trouve moins agréables, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Alors, j'enchaîne avec le troisième coloriage. Troisième coloriage que j'ai eu terminé le 11 novembre. Celui-là a été réalisé dans mon livre Colomystère vice-versa bleu. Donc, c'est un livre des éditions Hachette Pratique. Mais vous l'avez déjà vu, hein, j'ai déjà fait plusieurs coloriages dans celui-là. Et j'ai réalisé cette fois la page 23. Alors, vous allez peut-être entendre des petits grognements, ronflements à côté de moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai plusieurs bulldogs français et ils sont un peu intrigués par ce que je fais. Et ils sont là autour de moi. Donc, page 23. Alors, un colo avec pas beaucoup de couleurs, hein. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais au final, je le trouve super beau. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'en avoir 36 000 de couleurs pour obtenir quelque chose, hein. De pas mal du tout. Donc, ici, je les ai... je l'ai réalisé avec, pour les contours, donc pour le noir, parce qu'il n'y a pas de contour sur celui-ci, donc le noir du vélo et de la robe, j'ai utilisé mes Stabilo.
Et ensuite, pour le reste du dessin, j'ai utilisé mes DecoTime et mes DecoTime aquarellables de chez Action. J'ai utilisé également de la vaseline hein, pour la technique à la vaseline, hein, comme on en a déjà parlé. Donc, soit tout d'abord, toujours faire les contours au marqueur. Si vous utilisez des marqueurs, des feutres sur le dessin, toujours commencer par ça. Parce que si vous mettez la vaseline avant, ben, le marqueur ne tiendra plus. Donc, vous faites vos contours. Alors, soit vous coloriez et puis ensuite vous passez avec de la vaseline pour atténuer les traces, soit vous imbibez la zone avant et vous coloriez par-dessus. Ça sèche rapidement, ça n'abîme pas le livre. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours une feuille blanche ou une feuille plastique entre le temps que ça sèche, comme ça, même si je referme le livre, ça ne tache pas la page d'à côté. Donc, page 23 dans le vice-versa bleu. Ensuite, on avance dans le mois. Et on arrive au coloriage que j'ai terminé le 22 novembre. Nous avons réalisé, comme chaque mois sur notre groupe, le passion, le DP, le coloriage et les cartes à gratter. Donc, comme chaque mois, nous avons organisé les colos duo. Et ce mois-ci, j'ai fait mon colo duo avec Lily Loisir. Donc Lily, si tu passes, coucou, ce fut un plaisir de faire ce coloriage avec toi. Il a été réalisé dans le livre Trompe-l'œil, tome 3, Désidation Hachette Heroes, donc le petit dernier Trompe-l'œil qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je le voulais tellement que je l'avais précommandé. Et nous avons réalisé toutes les deux la page 28 et ensuite nous avons comparé. Alors, colo de la page 28, c'est celui-ci. Donc, nous avons ce personnage dont c'est dans le dessin animé Ralph 2.0, mais je ne me souviens plus du nom du personnage. Je vais tricher. Sans vous montrer les solutions. Hop. Eh bien, il n'est pas marqué. Donc, c'est un personnage du dessin animé Les Mondes de Ralph. C'est pas Ralph 2.0. C'est moi qui me trompe encore. Voilà. Donc, la voici. La demoiselle, toute en couleur. Toute belle. Donc, ce colo. Je l'ai réalisé avec, pour les cheveux et toutes les parties noires, parce qu'ici non plus il n'y a pas de contour, j'ai utilisé mes traditionnels, mes préférés, Stabilo, Stabilo 68 et 88. Et pour le restant du dessin, toujours avec la technique de la vaseline, j'ai utilisé mes crayons de couleur Marco Raffiné. Et je dois dire que je suis assez contente du résultat. On a toutes les deux fait un super coloriage. Et comme je l'ai déjà dit, ça m'a vraiment bien plu de faire le coloriage avec Lily Loisir. Hâte de faire des coloriages avec d'autres membres et voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai terminé le 22 novembre. Le 22 novembre, eh bien, donc ça c'était pour mon colo duo. Mais nous avons également des colos mystères à la semaine. Donc terminé le même jour, simultanément, mon colo de la semaine, mon colo mystère de la semaine, page 20, non, page 85, pardon. Il a été réalisé dans le livre Disney Portrait Coloriage Mystère. Des éditions Hachette Heroes. Donc, page 85. La voici, la voilà. Ah, et encore la petite feuille de protection, ce qui veut dire que j'ai utilisé de la vaseline. Donc, voici Tigrou. Alors,
Comme d'habitude, ben les contours, hein, toujours la même chose hein, pour moi. Toujours les Stabilo, hein, Stabilo 68 et 88. La technique de la vaseline et le coloriage, je l'ai fait avec les crayons de chez Action, les Décotime et les aquarellables. Et je dois dire que il rend super bien, surtout le tigrou qui est vraiment bien bien colorié. Coloré, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Il est vraiment bien coloré et il ressort super super bien. Donc le voilà. Celui-ci aussi j'ai bien pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci à Virginie, hein, une des administratrices du groupe, de m'avoir montré cette technique de la vaseline. Avant, j'étais jamais contente de mes colos parce que je trouvais qu'on voyait vraiment, vraiment fort les coups de crayon. Et depuis, ben, ça s'est vraiment, vraiment amélioré. Merci encore Virginie à toi. Et pour terminer, coloriage que j'ai terminé le 27 novembre, je l'ai réalisé également dans le trompe-l'œil tome 3. Pour un colo de la semaine, le colo mystère de la semaine du groupe. Et j'avais choisi, parce qu'on a le choix entre deux pages, j'avais choisi la page 7. Et à la page 7, nous avons le dragon. Ben, reste un peu de crayon. Un super dragon dans les tons, les tons du fond, mes tons préférés, le mauve, c'est deux teintes. On dirait un rose, mais c'est un petit peu un petit rose violacé. Comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, celui-ci aussi, ben, les contours, il n'y en a pas vraiment. C'est plutôt le noir du dragon. Eh bien, comme d'habitude, hein, Stabilo 68 et 88, le noir. Et le coloriage, eh bien, je l'ai effectué. Toujours avec la technique de la vaseline et avec mes marcos raffinés. Donc, voilà. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Encore une fois, le personnage ressort super bien. Et donc, voici les quelques coloriages que j'ai réalisés au mois de novembre. Alors, mon bilan de ces colos, c'est que je me rends compte que moi, la grande fan des Stabilo, eh bien, je les utilise de moins en moins. Et je prends de plus en plus goût au crayon de couleur. Merci à mon mari de m'avoir gâtée avec des crayons de m'avoir permis d'en tester plusieurs sortes. Je peux les mélanger. D'ailleurs, dans mes prochaines vidéos, vous verrez que je ne me suis pas arrêtée au Décotime et au Marco Raffiné. Il va y avoir des nouveaux crayons qui arrivent bientôt sur ma chaîne. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Ciao, ciao !